Bonjour les dames et messieurs, bonjour Balandina Bisso et Congo Live TV, Ndenge Bolandaka Bisso de partout au monde Bolandaka Bisso Congo Live TV. Nous disons encore merci et bienvenue dans ce nouveau numéro et Bisso et Alelo. Il y a mardi 26 décembre 2023 à Tobandelana, nous habitons au Zolekana Est de la République. Depuis quelques jours, Bitumbango et Bandaki. Et puis, c'est le fin de Batoubando au Lobango, à Bazaki, à respecter Angote, Bitumbe Bandaki. Batubazo kima a o bazo beta na mosikate ya site ya bakaru bakuna bazo beta na kuna bakilolire na bango ndenge ba signala ki batu oyo baza na bitumba yango bazo observer. Mais ce qui nous intéresse pona lelo eza communiquer oyo armée esala ki depuis lobby au travers porte-parole ya gouvernement na province awa colonel Ndike oyo akolobakino eza RDC qui est violé. Donc eza ba soda ya RDC oyo baza bazo violé c'est le fait na bango. Ya kotala ya bola mweza ke no armée ango ya kize ba RDF M23 ke no bazo violé c'est le fait oyo eza ki lancé na communauté internationale to na et na ba États-Unis ango. Na tour na bango ba M23 pe ba telemi balobi ke no te eza biso tende to violé ba c'est le fait ango mais c'est le phare de Sende babanda ki biso et komi likambo ya komona et komi likambo ye ba oyo moko bazo funda ba mosusu pe bafundi ba mosusu siko wana mutune zake banani nde bazo banda oyo ya ya yambo ko attaquer ba position ya batu. Mais en observa bien koza batu yo balingi ba voyager ba kinde na ba côté kuna ya des gens qui veulent bien quitter la ville de Goma, comme là où nous sommes, à par insta, ils veulent quitter la ville de Goma pour aller profiter ces temps, il y a ba festivité, il y a ba village na bango, il y a pas moyen, il y a des gens autres observés, balingi ba bimakuna na ba village, pour y a ba ya ko profiter ces moments de festivité avec leurs frères et sœurs, il y a pas moyen ici en ville, donc banzela ils a barricadé, banzela ba insécurité étendi, banzela boye. Donc, tala yango ba insécurité oyo et continuer ko régner na banzela na territoire ya Masisi disons jusqu'à présent oyo ezo empêcher batu ebele même ba déplacement na bango ndenge boye bindenge zalaka. Dans ce temps ya ba festivité plusieurs personnes aiment toujours se déplacer pour faire des congés pour faire de quoi d'ici et là omoni mais na ba ngunga oyo tozolo banga na yo awa ezo salemate mikoloyo. Comme par exemple, hier j'ai observé avec toute intention que il y a des gens qui voulaient quitter la ville de Goma pour aller séjourner à Masisi pour aller profiter le temps de passer Noël et bonne année na bandeko na bango na ba famille na bango et fandaga na Masisi, mais ils étaient barricadés na nzela ezala kite bazonga ki na bango balobi no ba komi na nzela kuna bango na bazongi si bango et après wana nde toyoki ke no armée telemi et pays communiqué na bango ya koloba ke non M23 ezo respecté les cessez-le-feu M23 ezo attaqué bango M23 ezo sala boye mokolo bango bakozwa solution likolo wana ezala biloko ya koloba ke non armée nde bandaki armée lobaki boye armée congolaise boye te yango batiaki communiqué na bango po ba rassurer ba monisa communauté internationale ba monisa ba États-Unis yango ke non jusqu'à présent ba RDF baza sur le sol congolais jusqu'à présent ba M23 bazo attaquer ba position na bango dans les Masisi jusqu'à présent bazo tenter kokoma ti na ba cité moko oyo eza na territoire ya Masisi mais na même communiquer ba signaler que non ba jeune yango ya bazalendo ba betanaki ba jeune yango ya bazalendo basalaki manso po bato wana ba pousana te donc ezo yebisa biso plutôt que non ba jeune yango ba résistant ba zalendo yango les patriotes ndenge ba bengamaka bazo beta na comme pas possible bazo mi défendre comme pas possible
po munguna akota na parti wana te. Totala mwa moko nine lobi. Na ba période oyo ya Noeli, dans les massifs des sources locales affirment que les affrontements ont repris depuis quelques temps entre les Wazalendo et les M23 dans les localités de Mushaki, de Karuba, proche de la ville de Sake, donc proche à Yamboka ya Sake, ndengo tokoloba. Des détonations lourdes d'armes, lourdes et légères, pardon, sont entendues dans la zone, indiquent plusieurs sources. Donc, d'abatou, oyoba fandi na Sake, à des personnes qui vivent dans la cité de Sake, bazoyo kaba détonation ya ba armes lourdes, na ba armes légères. Mais, yakolobeza ki, l'armée acquise les M23, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur les sols congolais pour perturber les processus et cesser les faits. Si cette situation continue, les FARDC prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations armées. Armée en gros est considérée le Kambouana comme esa provocation oyo M23 esa banda. Armée est considérée que non esa ba provocation oyo ba RDF wana bazo banda. Yango balobi ke mokolo bango bakozwa proposition to bakozwa ba mesure oyo eza efficace pona kosilisa bitumba wana ezala ya komona na ya mabeke no o M23 nde bandaki o M23 nde salaki boye o RDC nde bandaki o bazalaki ndenge nini. Donc botala na bino situation oyo ezo continue jusqu'à présent parce que c'est le fait yango eza respecté te ti ero oyo ti mokolo ngano tozolo bawa Timokolo a ozo landanga de partout ndenge bolandaka biso na Congo Live TV sur Congo Live TV ti présent vraiment makambo ango ezo simba bien te surtout que la population de l'autre côté dans les territoires de Masisi, territoire de Rutshuru, ils voulaient bel et bien passer ce moment ya ba festivité na kimia nyoso en paix et toute sécurité. Mais une chose qui ne s'observe pas vraiment ndenge bango bazalaki kolanda ndenge bazalaki koyeba ke kozala vraiment fête na bango eza perturbé yango tozomi tuna nga na yo pe si osko ki e continue boeti na babona ne kuna tina ba fête ya ba nouvela vraiment e kozala ndenge nini tolo bela mwa muke oyo ba election oyo ezalaki ya kosalema na RDC depuis le 20 décembre 2023. Les élections ont été passées, il y avait plusieurs dégâts matériels qui ont été observés. Il y avait catastrophes qui ont été observées, notamment des désordres, des problèmes logistiques qui ont été observés au travers les pays, comme vous le savez, à vous et moi. Mais malgré cela, élections et les gars qui n'ango. Malgré cela, M. Denis Kadima, que j'ai salué en passant, a sala qui n'a immense pour élections et zala. Vraiment, il y a que les kanango, ba électeur moko ba vota ki ti mokolo yo na ebite so ba musunon ba o voté te po lobilobiwana ba musu ba bandaki o voté toujours dans les Lubero, là où il y avait pas vraiment possibilité que vote ezalangonga wana ba sala ki na bango vote talaka ka ti mokolo yo. Donc ba résultat bandi ko bima déjà ba résultat partiel o ya ba président de la République et cela qui a commandé là nan on a ya diaspora qui ont voté massivement monsieur Félix Antoine Tshisekedi Azalaki numéro 20 candidat président de la République suivi na Moïse Katumbi Azalaki est candidat président de la République numéro 3 également après wana et commis déjà ya ba résultat partiel na kati ya mboka c'est-à-dire na ba territoire mosusu na ba province mosusu ba résultat et bandi kobima comme vous êtes en train de l'observer bino na biso que non ba résultat yango ezo bima mikolo yo eza que non des fois on observe oyo nde amati ba point likolo ya oyo na kwe mosusu eza ko observer que c'est tel qui a beaucoup de points plus que l'autre tantôt monsieur Félix Tshisekedi tantôt monsieur Moïse Katumbi Tshapwe tantôt tel donc au rythme ya mboka ndenge makambo eza ko continuer. Mais ce qui nous intéresse ce matin eza nini eza manifestation oyo Martin Fayulu Mukwege et trois autres candidats bazar ko prévoir mercredi oyo. Donc il y a une manifestation grande manifestation comme
bazo prétendre yango c'est mercredi ici 27 décembre 2023 na mboka ya Kinshasa. D'ailleurs na mona ki lettre o bakomela ki mokonzi ya mboka ya mokonzi ya province ya Kinshasa que non vraiment marche na bango eza bel et bien confirmé que ekozala mercredi oyo. Motivation à marche na bango eza nini? Motivation à marche ya bango eza que non bango ba contester ba banani ba élection oyo zalaki bango baza pour te élection oyo zalaki donc e disent d'après e ki ba qualifier élection yango chaotique donc ezaki nango ya kosimba te zalaki nango boete zalaki boete. Alors bazo sala manifestation mercredi oyo bazo sala yango ndenge bango ba lobaki ke no bazo sala yango pona ko annuler élection yango mutuna ezasko soki élection yango ekomi annulé est-ce que Congo d'ici là Mbangu boye kozala siku na ba moyen ya ko organiser encore réorganiser ba élection. Charge wana ekozala ndenge nini? Est-ce que kozala loko oyo kozala kaka une semaine boye pe makambo yango esili wana ba mituna ezomituna na bato. Nani wana bazo annoncer manifestation wana bazo annoncer. Est-ce que ekozala ba inconvénient te na kati ya mboka wango yango wana tozo mituna ba mituna yango tozo loba. Ba manifestation wana est-ce que yango peuple congolais ezolandela likambo yango de près que no makambo wana ekozala ndenge nini pendant que eux na parti na bango bazo manifester insatisfaction na bango kati ya processus électoral oyo ezo salema na kati ya mboka na biso Congo yango ba vie bango moko bakokota na nzela yango ba vie moko bakokota na nzela po ba manifester combien de fois bango vraiment bazon di maté eloko wana. Si on part encore au-delà des manifestations yango bazo exiger au-delà ya réorganisation ba élection bazo exiger que non président Aseni a démissionné yango monsieur Kadima que non a démissionné boye. Est-ce que kosalement pendant que les résultats ezo continuer nango est-ce que kosalement pendant que les résultats partiels ezo continuer nanu silité nanu vraiment ekomi na suka nango te mais d'un coup déjà babandi ko senga ke non résultat esi la wana élection ezala réorganiser est-ce que singela ki bazela les résultats soit à la fin. Est-ce que baza déjà kobanga ke no majorité elonga bango te? Est-ce que za ndenge nini? Est-ce que eza ndenge nini? Ndenge bo observaka de partout bolanda kabiso na Congo Live TV. Donc tolo banabino, merci beaucoup. Lobela tolo bela moi mukele lo pona situation ya ba déplacé de guerre à l'est de la République. Fin à bafé dans Néoyo au Nord Kivu, la division provinciale des affaires sociales alerte sur la situation des enfants déplacés. Banawana ezo salemake, il est observé depuis un certain temps les enfants oyoba kimaki bitumba oyoba zo fanda na barkan bazo misangisa na bana oyo kiso appelé communément bana nzela donc bakuluna nzela banini nzela les enfants de la rue. Les enfants là qui sont appelés communément les enfants de la rue en outre bana baitaka ba maibobo mukona ngalia. Donc c'est depuis un temps il est observé que les enfants oyo bazo ki mabitumba likolo ya nzala likolo ya biloko ezo komela bango bana wana bazo ki ma déjà place wana bana bazo ki ma le camp pendant la journée ils s'observent qu'ils quittent le camp ils vont trembler partout dans la ville de Goma ici. Vous voyez, il y a des risques qui n'ont pas tout à bango, il y a des risques qui qu'on les cogne, il y a des risques à boy. Vraiment, esa situation oyo, esa salaire passe, esa situation oyo. Vraiment, il faut esa nango déjà solution. Et nango toujours ça la ba analyse na biso lelo. D'après ba na wana ndenge gestion na bango ezali. Et puis ensuite tolo bela a cardinal Tata Bongo oyalelo lepe alobi likolo ya ba election eleki na Congo
D'après lui, il qualifie que ces élections sont vraiment chaotiques et que nécessairement le président Oya Ceni, il faut démissionner et puis bah élection et Zala Yakobandela. Donc c'est-à-dire bah élection ana, il faut Zala réorganiser mutuna oyo ba Congolais nyoso ya diaspora na ba oyo ba fandi na kati ya mboka bazomi tuna vraiment réellement ceux qui bah élection ango et comme lissous réaliser ou bien réorganiser et kozanango ndenge nini. Na ba réaction oyoye alobaki ke non mokonzi ya Ceni il faut démissionner. Mokonzi ya Ceni ango Denis Kadima a eu le courage, a eu le viva, la vivacité ango ya ko répondre. A répondre ki ye ndenge nini? Ya lobi ke non ya yambona no bengi ba Congolais nyoso o ya diaspora o ba Congolais bazana kati ya mboka ba Congolais nyoso bazana ba village bazana ba territoire bazana ba province bazana ba na ba ville et sika songolo ba sa la confiance ba attribuer confiance et pa ya Ceni oyo azo organiser ba élection yango Ceni oyo a organisé ki ba élection yango. D'après lui le président de la Ceni les sentences que d'ailleurs les Congolais devraient féliciter le président de la Ceni, les Congolais devraient dire merci au président de la Ceni parce que musala oyo asali eza vraiment ya kosakana te. Donc wana ba dispute ezo bendana entre ba partie prenante na mokonzi ya Ceni, entre ba partie prenante na organisation yango ya ba election talati na toye banani ba parti opposa ba lobby ke no na bango il faut ba sala marche tour oyo mercredi oyo ezoya. Donc il se décide de faire marche en fait que les élections soient réorganisées. Ndenge totalaki na communiqué na bango ndenge toyokaki sango o bazopia na kati ya mboka ata bino bofandaka na ba diaspora bolandaka Congo Live TV boyokaka ke non vraiment mercredi oyo bakokota na balabala po basala marche. Mokonzi ya Ceni a démissionné, mokonzi ya Ceni a bima après ba réorganiser ba élection. Est-ce que kosalema? Est-ce que kozala ndenge nini na ba temps fort oyo pays ezolekela na bangonga oyo pays ezolekela pendant que ba est ezo beta ba bitumbe ezo beta na est a république pendant que koza batu oyo baza na ville a Goma qui aimerait bien se déplacer à Masisi pour que ba sala ba fête na ba famille na bango eloko ezo simba te bazo zala bloquer na nzela po nzela yango ezate. Donc tala tina yango biso ba Congolais nyonso tozo observer likambo yango ezoleka na mboka et on se demande juste après qu'est-ce qui sera après? Avant que les résultats, en réalité, en général, on dit, ils allaient publier. Avant que Tokoma Nasuka ndenge prévu, comme la CENI, que les élections, et si les Kinango, bah, résultats, ils allaient mis à vie, il y a tout le monde, Moutunio, soit mon ababa, résultat, ango, nani a kozala, baponye, mokonzi mboka. Nani a kozala, oyo, akoye, bana, keyende, ba pesi Congo, akumba, ango, encore 5 ans. Mais déjà parti à opposition parti oyo baza contre oyo zalaki ba bandi déjà ba agitation ndenge ba moko bazolo ba keno wana ezaza ba dise ba agitation ba si ba bandi to observer ango ndenge toyoka kike mokonzi ya mboka azo benga bango keno batu wana bazo sala keno eloko ezala ya ko perturber na mboka batu wana bazo sala keno kimia malamu ezala na mboka te ya kolandela bango une fois ye basilisi banani ba resultat ngo une fois ba proclamer ndenge azo estime ki yende akoleka lisusu ye akosilisa ba problème nyoso wana ezo tungisa na mboka ba problème wana ba insécurité ba problème wana akobeta na banini 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 ye akosilisa ngo tant que mokonzi ya mboka tolo bela yango ba manifestation oyo na ba n oyo si bandi ko matramite ma batu na ba province toko kanisa ke eloko wana ezo salema ke no batu mosusu bazolo ba patrio eza ya bango te eza ba kongole nyoso eza ba kongole nyoso. Donc soki oya koleka akozala mukunzi ya ba kongole na oyo ba fandi na diaspora na oyo ba fandi na Congo donc le kambo ango kozala ba challenge eza ebele ba defi eza ebele ba probleme eza ebele yango ba mosusu ba kanisa ke no kozala ta mukunzi ya mboka ango kozala kaka boeto et vous allez payer kaka boité encore. Donc ba Congolais nyoso bazela ba patienter comme l'a dit le président de la CENI que les Congolais en général patientent et entendent les résultats. Les résultats des élections qui sera donné par la CENI. Oyo sala ki ke no ba élection ezala. Oyo e organisa ki ba élection ezala ki pe na financement ya l'état congolais à 100%.
Donc bazala agité tendenge alobaki depuis centre Bosolo place bazo sale la ba résultat pe ba compilation ya ba résultat bazela qu'on observe jusqu'à présent ba résultat ya ba député angona no bimité donc bazaka ka ya kozela bazala ya kobeta na te ba fanda na bango pona ba far de ce oyo bazo betana na bitumba na ba wazalen du yango message na bango na population congolaise ezanini bango baza ko soutenir bino message na bango eza ke no bino batu bozo beta na kuna ata bango bazo landa bino na bitumba te me motema na bango eza na bino mayele na bango eza na bino lisungi na bango eza na bino donc eza koloba ke no bino bozala kaka kuna bo batela ekolo bino bondima kokufa pona ekolo vraiment eza eloko ya malonga oyo ya malamu ekosalema tokosilisa eminani ba analyse na biso ya lelo bila tumalize tuongele un peu ba jeune ba réserviste benye balikuwa formé d'ici là ba jeune wana to bengi bino na calme ba jeune wana ndenge population ngo na bgome ezoloba ba bengi bino na calme ils estiment que boza sérieux ils estiment que bokosala eloko moko ya bien situation sécuritaire na tongo ya lelo dans les Masisi eza ndenge wana ti jusqu'à présent bitumba ezo tozo observer ango kotoyo nakuna. Merci beaucoup de nous avoir suivis de partout au monde. Merci de choisir Congo Live TV chaîne Nabino. Merci et à la prochaine. Naza Youssouf Kibingila David, Naza journaliste à Congo Live TV. Pour plus de contacts, 243 9 93 46 71 93. Merci et excellente journée.